Il s'agit du TER, le train express régional. Nous avons vu que ça fait un bon moment que le président de la République a mis en place une équipe, pour une commission pour le recensement des ouvriers qui sont là. Nous avons senti comme une menace pour nous, c'est-à-dire le degré de crispement qui est déjà envisagé par nos éléments qui sont ici présents et par aussi la défense nationale, cause pour laquelle nous avons convoqué une conférence de presse pour faire une alerte quand même au gouvernement pour lui dire que franchement nous sommes inquiets. Le président de la République nous avait promis, lors du Conseil des ministres, 5000 mètres carrés plus 93 millions comme mesure d'accompagnement. Et ces 5000 mètres carrés sont toujours là, les terrains sont toujours là, à proximité de la nouvelle gare des Beaux-Maraîchers. Toutes les démarches ont été entamées, mais jusqu'à présent, nous avons vu que nous n'avons pas réussi de site, nous n'avons pas réussi les 93 millions. Et à chaque fois que nous parlons de ces 93 millions, on nous dit que les 93 millions ont été dégagés pour les ouvriers mécaniciens. Mais je vous dis que nous n'avons pas encore reçu cette somme. Nous, ce que nous voulons, c'est un recasement définitif.